Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle Adebayor répond à Brandley. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Dans le vif du sujet. Petit frère, je vous ai toujours dit, vous les jeunes blogueurs, vous les jeunes qui allumez vos caméras, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, faites vraiment attention à vos propos que vous tenez. Ne cherchez toujours pas à faire comme nous, vos devanciers, qui vivons à l'extérieur, qui vivons aux États-Unis, en France, qui ne vivons pas sur le territoire togolais. Ne faites pas comme nous. Surtout quand vous vivez au pays, plus précisément au Togo, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous faites. Faire un amour. La famille, moi ici aujourd'hui, je vis en France. Je peux me permettre de tenir certains propos à l'égard de nos autorités. Mais malheureusement, je ne le fais pas. Parce que nous sommes dans un pays où il y a la démocratie, mais il n'y en a pas. Ce qui ne peut pas t'amener en prison en France, peut t'amener en prison pour une très longue durée au Togo. Ce que tu peux dire en France, même au président de la République française, est que tu n'iras pas en prison en France. Si tu le dis au Togo, mon frère, tu vas mourir en prison. Hein. Et le pire, tu es un jeune. Parce qu'en voyant ton âge ou bien ton comportement, si je te donne trop, tu n'as pas plus de 22 ans. Mais tu es en train de créer un gros problème. Et dans la vie au Togo, il y a deux personnalités à qui il ne faut jamais quelqu'un parler. Tu peux insulter tout le monde, mais il y a deux personnalités au Togo que si tu touches, les Togolais ne vont pas te faire bien. La première personne, c'est M. le Président de la République. Fort. La deuxième personne, c'est Manuel Adebayor. Mais toi, un jeune petit frère, tu t'es permis à aller s'attaquer à ces deux monstres. À ces deux personnalités que personne ne veut avoir problème avec. Je ne sais pas sur qui tu comptes, ce qui t'est passé par la tête, celui qui te dit, vas-y, dis-le, je suis derrière toi. Je ne sais pas celui qui te dit tout ça. Hein. Mais mon frère, fais attention à tes propos. Jeune petit frère, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce qu'à l'heure là, on te cherche. Hein. On te cherche grave, grave même. Si on te prend, tu vas l'hiler. Si la main des autorités t'attrape, si on t'attrape, petit, si on t'attrape, je te dis, c'est-à-dire, même si les autorités ne veulent pas t'attraper, il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à travailler pour le gouvernement en t'attrapant et en faisant un nom avec toi. Ah ben oui, tu ne te rends pas compte dans quel merdier tu es en train de te foutre, mon petit. Tu ne te rends pas compte de la situation, dans quelle situation tu es en train de mettre ton pied. Parce que si tu savais là, je n'étais pas au courant ou bien je ne suis pas sûr que tu allais continuer sur ce chemin. Mais bon, je vais vous faire écouter les propos de ce jeune. Je suis ici dans la brousse. Hein. Ici, le réseau il bug. Allez, Akbe, Akbe me va les filles. Non, parce que dans le soir. Est-ce que vous me regardez? Nous, les pauvres du portier, mais bien, tu vois, on est pas Ghana à côté, Bénin est à côté de Fébé Evolution, avec une autoroute orée. Toi, ça ne te dit rien. Nous, les pauvres du portier, on est évolué, toi, ça ne te dit rien. Le comportement qu'on a l'homme. En tant que président, il y a quelqu'un derrière toi qui te répète les choses. On va le constater, mais c'est la terre de la France, quoi. Hein? C'est-à-dire, on se trouve trop. Arrêtez un peu ça, quoi. Hein? Il faut te mettre au travail. On ne te sent pas. On ne te sent pas, quoi. On laisse la caméra blanche. Il partage les vidéos en maximum. On ne fait rien à pas vidéo, quoi. Parce qu'il y a la caméra blanche. Ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, on me dit qu'on est belle homme. Amérément, t'es pas trop. Et tu connais, quoi. Et tu connais, trop, c'est trop. Et tu connais, quoi. Je sais pas, j'arrive plus à, parce que le réseau là où je suis, le réseau, je sais pas si vous me voyez ou pas.
faites des manifestez-vous pour que je sache que vous êtes là. Parce que quand et tout régime va les fier. Ndala soabéré les fier donc et tout avait le coup de parking et trois d'hommes les fier. Donc le réseau il bug. Mettez des cœurs si vous êtes là pour que je sache parce que je ne vois pas manifester là. Mettez les commentaires pour que je sache qu'il y a des vivants parmi nous. Au pire des cas. Ouais, Sandra, bonjour. Ok, bon. Ça, c'est la première vidéo. Écoutez comment il a parlé au président de la République. Togo, bonjour, bonsoir, monsieur, mais quoi. Vidéo, on a Togo, Pata, elle a bien me format pour vidéo. Partagez vidéo en maximum, le format pour vidéo. De goût, on a partagé au fort, on a mis signalé comme quoi. On a posé question à ma matin. Mais allez, nous avons bossé demain soir. Nous avons bossé demain soir. Nous avons bossé demain soir. On ne te sent pas. On ne te sent pas, quoi. Le Sénat qui me l'a dit, partagez vidéo en maximum, le forum n'est pas vidéo, quoi. Parce que Sénat qui me l'a dit, ça concerne tout le monde. Voilà. Nous avons une comédie qui est belle, ma. Yeah! Mais pas trop, yeah! Et tu connais, quoi? Et tu connais, trop, c'est trop, tu connais. Mon frère! Oh! On est l'homme, le pompon de nous, nous le voyons. On est l'homme. On est l'homme, le Togo. Et aux jeunes vies, et t'as remis le. Parce que quand je te vois, ton habillement, environnement quelques mots là et zéba y a du vieux au bain m'avait dit et nous y a comment on appelle ton à goma il n'a dans la sienne à dit je me cabé dorénavant on va le fou nous va le dapa et n'y a que un toc blanc non c'est Mathieu n'y a si baby blog bobenari je mets ma bouche dans tout mais jamais de la politique. Est-ce que tu t'es une fois posé la question pourquoi lui là celui qui met sa bouche dans tout. Mais il ne met pas sa bouche dans la politique. Tous les politiciens togolais, soit tu meurs en prison ou tu meurs en exil. C'est ça. Si tu vois un politicien togolais opposant au gouvernement qui vit au Togo, c'est qu'il travaille pour le gouvernement. Ce n'est pas un opposant. Mais quand tu veux, t'as dit, s'attaquer au plan politique togolais, tu vas mourir à l'extérieur du pays. Ou tu vas mourir en prison. Même pas quelques semaines. Agbeyome, il voulait faire la politique. Il est décédé où? À Paris. Est-ce que son corps même a été ramené à Lomé? Yemanyo. Monseigneur Bodiro, il voulait se mêler de la politique. Il est mort où? En Europe. Ata Titikpina, il est où? Il a fui. Le jeune qui était sur Facebook là, comment on appelle? Qui était en Suisse là, il est en prison. Tout ça là, petit, ça ne te fait pas réfléchir. Les deux personnalités dans la vie, au Togo, tu peux insulter tout le monde. Mais il y a deux personnes là, il ne faut jamais les insulter. C'est Fonya Sibé et puis Adebayo. Je ne sais pas quelle mouche tu t'as piqué. Je ne sais pas si c'est l'envie de TikTok, l'envie d'ouvrir caméra qui t'a fait parler et tenir ce genre de propos. Tu peux reprocher un truc au gouvernement. Je suis d'accord. Nous sommes dans un état de droit. Mais il y a des façons dont on parle. Il y a des façons dont on dit des choses. Dédé, tu t'es attaqué à Faure, étant un président de la République. Tu sais que Faure a des gens. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui sont fans. Ça t'a pas suffi, hein? Tu es venu faire ça encore. Ici. Et bonjour, bonsoir, là, monsieur. La vidéo est là, la vidéo est là, débat. Parce que débat, il y a encore pas débat, les blés, t'as même, quoi. On va aller bourrer au Togo. Parce que nous, on a dit, on a l'image des quatre Togo. On a dit, on a l'image des célébrités, on a l'image des salons, on a l'image des artistes.
La famille, écoutez, devient attendre TikTok, parce que le TikTok dit, là pour nous pomper à des bailleurs, eh bien, imaginez les salles, les Togobé célébrités au domaine. Togobé célébrité Cordo. Quelle célébrité y a au Togo? À part Adebayo, nous avons qui? Les Toufan. Ils ont un peu d'argent. Santrinos, il a commencé par monter. C'est bien. Il y a mon ami Getovi en popularité, mais il n'a pas beaucoup d'argent. C'est tout. Sinon, tous les autres là, hey, c'est comme moi. Hein? Tous les autres, il n'y a pas de célébrité au Togo. Quand les Togolais sont là, crier tout le temps, oh, les Béninois n'ont pas de célébrité, vous avez menti. Hein? Le Bénin a plus de célébrités reconnues au monde que nous. Il y a Angélique Kidjo. Il y a le gars qui a joué le film là. Il est là-bas. Il y a encore un autre Yoruba là. J'ai oublié son nom. Il y a Axel Meril. Sans compter les artistes béninois, ils ont plus d'argent que nous, nos artistes. Hein? Mais tous les jours, vous êtes là à crier, Béninois n'a pas de star. Hé! Hey! Les Béninois ont beaucoup de stars plus que nous. Hein. Petit, tu t'attaques à ton président de la République. Après ça, tu t'attaques à la première personnalité du pays qui représente l'image du pays, Adebayo, celui qui est devenu l'ambassadeur de la CAN. Oh, mon petit frère. You don't like peace? Tu n'aimes pas vivre en paix? Hein? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, les Togolais ne sont pas reconnaissants. Si cet enfant vient tenir des propos comme ça à l'égard de Manuel Chéri Adebayo, avec tous ces blogueurs, tous ces TikTokers, tous ces TikTokers qui sont là, qui peuvent valoriser Emmanuel Chéri Adebayo, mais vous vous fermez vos gueules. Quand Mathieu Gnassingbé va venir parler, c'est là-bas maintenant, vous êtes fous, tous vous allez sortir. Les ployos, les bababas, les enfants perdus, les bâtards, les sorciers, vous tous vous allez sortir. C'est quand Mathieu Gnassingbé va venir prendre la parole et venir cracher la vérité, c'est maintenant même que les brebis perdus vont sortir pour manger les restes de ce que j'ai vomi. Un enfant qui vient humilier son président de la République. Un enfant qui vient humilier Emmanuel Chéri Adebayo. Par ses propos sales. Adebayo a beaucoup fait pour le Togo. Adebayo a apporté son soutien à chaque Togolais à sa façon. Il a fait la fierté du football togolais. Il a apporté son soutien aux artistes. Il a apporté son soutien aux comédiens. Il a apporté son soutien aux Facebookers, aux TikTokers. Mais pour finir, vous tous, vous l'avez enculé. Adebayo a beaucoup fait. Il a créé un centre. Il a créé des associations. Il fait des choses avec sa fondation et autres. Et toi, un jeune qui n'arrive même pas à manger 3 repas par jour, qui ne connaît pas entrée et dessert, c'est toi qui viens me raconter des bêtises à ce point. Oh, petit, tu ne t'aimes pas. Hein? C'est écoutez. Les célèbres, tout quoi, mais qui m'imagine les salois, des barres. Niaoma. Elle a besoin de ma propre vidéo. C'est une autre vidéo là qui vient en toi. Une comédie con alors, on a live, mais coup de Jimmy, coup de moi, coup de ton. Et puis le bonhomme, mon béna, on me le yole, nous y a le coenema, on me le yole, fédération. Niao, Boudouko Villa. Niao. On a yole, fédération, mais nous qu'est-ce qu'on a yole, fédération. Là, on a conseil, il perd vieux, nous là, on a conseil, quoi, il y en a un secret qu'elle a, si on a yole, il perd vieux, nous là. Bah, non. Non, petit, tu as fait fort. Je ne sais pas quel démon, démoniaque, Babylone est rentré dans ta tête. Petit, tu es sorcier. Wallah Bilay, le plus grand sorcier du Togo là, c'est toi le petit là. On peut parler comme ça. Quelqu'un qui a fait la fierté du pays. Oh, Jésus Christ. Quelqu'un qui a joué ballon. Quelqu'un qui a
amené le Togo au mondial. Quelqu'un qui a tout fait, la CAN mondiale. Tout, il a fait. Même dans cela, il a représenté. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. On t'a envoyé? Non, il faut qu'on t'arrête. Là, Adebayor doit t'arrêter. Celui qui t'a envoyé pour venir parler là, tu vas dire son nom. Parce que ce n'est pas possible que tu peux avoir ce courage et venir tenir des propos comme ça. Adebayor a beaucoup fait pour le football togolais. C'est pour ça que je dis que Bradley Barcona, faut pas venir au Togo. Toi-même, tu vois les choses. Bradley, tu vois tout ce que Adebayor a fait pour le Togo. En remerciement, regarde comment les Togolais le traitent aujourd'hui. Si un enfant qui n'arrive pas à manger trois fois par jour vient l'insulter, vient lui tenir des propos sales, vient l'humilier devant le monde entier sur les réseaux sociaux, pour toi là, ça serait comment? Parce que je ne suis même pas sûr que même si toi tu quittes Paris, c'est jamais pour venir jouer pour l'équipe nationale du Togo, tu vas les amener au mondial, hein? Impossible. Ils vont même casser tes pieds avant que tu n'ailles au mondial, petit. Ce qu'ils ont fait avec Emmanuel Chéri Adebayor dans l'équipe nationale jusqu'à... Il est là où il est aujourd'hui. Si on te raconte son parcours, c'est Allah, le miséricordieux seul, qui sait ce qui s'est passé. Petit, faut pas venir. Faut pas avoir confiance aux Togolais. Ils vont te trahir. Que personne ne t'encourage à quitter pour venir jouer pour l'équipe nationale du Togo. Petit, il ne faut pas faire l'erreur là. Toi-même, regarde ces propos que je tiens par rapport à Emmanuel Adebayor. Maintenant, c'est que qu'elle a si ouad à panier perdu, nouvel pouvoir là de Dieu. C'est que qu'elle. Non, t'es plus au nom de Kovile. Niaoma. Oui, on va noter plus au nom de Yoa. On les fédérations, on met les clubs pour les réclamer, nous qui aimons la réclamer. Combat au niveau de la fédération, l'autre fédération avec vous, nous pouvons avoir mettre pour profit. Si on était pire, quand on tourne manipuler le cul, on dit bête. Niao! Hein? Quand on a dit quoi, Adibayor, on a dit les gens de l'eau, on a dit les fermes, on a dit les vieux coups parce qu'on a mis le coup à Gali. On a dit, 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 on L'enfant là, je pense qu'il faut lui trouver un bon pasteur. Soit on lui trouve un bon pasteur ou bien on lui trouve un marabout. Je pense que c'est un cotocoli, si je ne me trompe pas. Hein? Petit. Que 5 secondes, Vile. Moi, je suis venu à la fédération. Je suis venu à la fédération. Petit, tu vois le nom de tous ceux que tu as cités là. Même s'il y a des gens parmi eux que je n'aime pas là, ils peuvent te nourrir trois fois par jour. Le nom de toutes ces personnes que tu as citées, même s'il y a des gens comme Raoul Leblanc que je n'aime pas, au moins, je reconnais que toi, là, il peut te nourrir matin, midi, soir, pendant un an. Il peut te, c'est-à-dire, il peut supporter ton mangement. Petit, tu te crées des problèmes, pourquoi? Maintenant, si on vient t'attraper, on t'envoie au tribunal pour propos diffamatoires, dénigrants, d'une personnalité publique à l'état public sur un lieu public, au centre public, sur les réseaux sociaux publics, et que tu dois aller en prison publique. Tu as dit quoi?
petit. Si on t'attrape, on t'envoie devant le juge, le procureur, il y a mes sorties pour me dire, mais pourquoi on me dit non? Envoie-le dedans. Tu vas dire que les Togolais ont été méchants avec toi. Ah, non, il y a deux secondes. On appelle ces gens donc. Hé, petit! Tu vas dire quoi quand les gens sont méchants? Et puis, à moi le soutenir, non? Parce que je me donne visibilité, donc, ami, tout est permis. Aoro. Aoro. Le signal n'est pas encore, mais. Niao. Ok. Ok, comédie, bête, comédie, comment me l'a dit, moi. Niao. On va dire, pour le quoi. Sinon, mais à ça, mais à ça, bon âge. N'a pas abonné, n'a pas. Et ils arrivent. On a un abonnement à la prison. C'est gâté sur toi. On va mettre quelque part à bon l'année 1 million. On va le dire. Bah, mais quelque part, là, 1 million.